Salut les élèves, nous nous retrouvons aujourd'hui dans Taouki, page 20-21, pour découvrir un tout nouveau son avec la lettre S, que tu vois ici dans les quatre écritures, en script, en capitale, en cursive et en majuscule cursive. Nous sommes donc dans Taouki, page 20-21. Le titre de l'histoire d'aujourd'hui sera « Dans la rue ». Le mot repère d'aujourd'hui sera l'os, car évidemment, dans le mot os, nous pouvons entendre le son s. Mais avant de découvrir ce son, cette histoire, cette image, je t'invite à faire une petite séance de phonologie sur l'ardoise. À tout de suite. Nous voici donc sur l'ardoise. Cela fait maintenant trois consonnes. Dans Taouki, le R, L et le S pour aujourd'hui. Nous avons également vu déjà quelques voyelles. Nous avons vu A, I avec les deux écritures, I avec la lettre Y qui fait également le son I, le O, le E. Nous allons voir les différentes syllabes qu'il est possible d'obtenir avec ces consonnes. Si tu prends R avec A, tu obtiendras RA. R avec I, tu obtiendras RI. R avec O, tu obtiendras RO. Ici, nous avons les syllabes obtenues à partir de la consonne R. Voyons les syllabes inversées. Ici, tu peux obtenir A. Car le A passe devant. Ar. Si le I passe devant, tu obtiendras IR. Avec le son L, si le A passe devant la consonne, tu obtiendras AL. Idem pour le I. Avec L, ça fera IL. Comme pour un garçon, je dis IL. Avec la consonne S, tu peux obtenir les syllabes os, as, is. Voilà, je t'invite à t'entraîner. Par exemple, tu prends le doigt, tu poses sur la consonne R et tu fais glisser jusqu'au A. Ainsi, tu fais le premier son R. Si tu pars de la voyelle, tu commences par la voyelle. Donc ça donnera AR. Tu peux le faire avec toutes les consonnes. Par exemple, OS. OS, comme un os. OL. IL. Sens inverse. LO. C. SO. Si, ça. Voilà, maintenant tu es prêt à revenir sur le livre. Nous voici donc sur le livre de Taouki, page 20, pour observer la grande image. À ton avis, où se déroule cette scène? Très bien, cette scène se déroule dans une ville, plus précisément dans la rue. Et nous voyons ici un bus scolaire. Bus avec le son S. Dans scolaire aussi, tu peux entendre S. Qui voit-on sur cette scène? Nous voyons évidemment notre ami Taoki qui fait le salut avec la main. Salut. Hugo qui saute. Lily avec un sac. Une petite fille qui descend du bus. Un chien qui tient un os. Un petit singe qui boit son jus. Le chauffeur qui semble étonné de voir un petit dragon voler devant son bus. Et une petite fille qui sourit. Tu entends donc dans tous ces mots le son «
Ici, tu peux voir 6. Dans le bus, il y a des sièges avec 6. Tu peux donc t'entraîner à chercher d'autres mots avec le son 6. Maintenant, nous allons faire l'exercice en dessous. Dis si tu entends 6. C'est parti. Soleil. Très bien, on entend. Fraise. Attention, ici j'entends z, un peu comme une mouche. Z. Donc on n'entend pas s. Le s fait penser au serpent. Rappelle-toi du serpent. Ici c'est la mouche. Z, la fraise. Un tournevis. On entend s. Une valise. Ici c'est la mouche. Z, on n'entend pas s. Deuxième ligne. Une rose. On n'entend pas. Des ciseaux. Ciseaux. Dans la première syllabe, tu entends le son s. Une assiette. On entend. Très bien. Un masque. On entend. Très bien. Maintenant, lisons les sons. Deuxième ligne. Attention, ici, c'est un S en majuscule cursive. Il ressemble un peu à la lettre L, mais il s'arrête ici, un peu comme un signe. Et L, A, L, O. Très bien. Tu es donc prêt à lire les syllabes. Dans le mot syllabe, j'entends S. C'est parti. S avec A, ça fait ça. S avec I, ça fait si. S avec I, ça fait si. Comme dans syllabe. Avec E, ça fait C. Avec O, ça fait SO. Syllabe inversée maintenant. Rappelle-toi, la voyelle passe devant. A avec S, ça fait AS. I avec S, ça fait IS. O avec S, ça fait OS. Tu peux t'entraîner à les redire en cursive. Maintenant, nous allons lire les syllabes directes. Tu répètes après moi. Ça. Si. So. C'est. As. Is. Os. Deuxième ligne. So, lit, il, ça, si, si, ri, la, or, lit. C'est très bien. Maintenant, tu es prêt à lire les mots, car les mots sont des syllabes et des sons que l'on met ensemble pour obtenir un mot. Un as. Un as, mais lorsque je parle, je fais la liaison. Je dis un as. Un as, c'est une carte.
Avec un seul dessin au milieu, c'est donc la plus forte. Un as. Un iris. Un iris avec la liaison. Un iris, c'est une fleur. Un lasso. Comme le cow-boy. Le sol. Deuxième ligne. Un lys. C'est une fleur également. Un sort. La sorcière jette des sorts parce qu'elle est très méchante. Un sirop. Comme lorsque tu bois du sirop pour la toux. Une série. À la télévision, je peux regarder des séries. Séries. Très bien. Nous allons lire les phrases, mais avant, je t'invite à observer les deux nouveaux mots-outils. Et comme Taoki et Hugo, sur avec S-U-R, comme j'ai déposé mon livre sur la table. Tu peux t'entraîner à les écrire pour les retenir. Lisons les phrases. Taoki a un lasso. C'est une série. Lily a un lasso et un iris. Le sirop est sur le sol. Très bien. Maintenant, nous allons lire l'histoire de Taoki. C'est Hugo. Il sort et il est sur le sol. Lily est là. Elle sort. Taoki est là. Très bien. Tu dois faire attention à ces deux mots, sort et sol. Ici, je vois or. Ici, je vois ol. Sort, sol. Ce n'est pas le même mot. Ici, il s'agit de sortir. Il va dehors. Le sol, tu as les pieds debout sur le sol. Posé sur le sol, par terre. Voilà, je t'invite à reprendre l'histoire, à t'entraîner à lire les syllabes et les mots. À bientôt! Salut les amis, j'espère que vous avez tout compris pour le s. Moi je m'entraîne tous les jours, alors moi je fais salut, salut comme en sortant du bus pour m'entraîner. Donc salut les amis, un peu comme le serpent. Moi je suis un dragon, mais lorsque je veux faire le son s, je fais s.